Du coup, on va partir sur Not For Broadcast. Jour 1, les élections. Un jeu où nous sommes donc un producteur de télévision. Normalement, il y a un petit tuto, si je dis pas de bêtises. On m'a dit que j'allais choke lamentablement sur ce jeu. Tourne-toi vers la droite. Oh, faut utiliser D. Je réponds. Réceptionniste. Bonjour, David. J'ai un appel pour toi. Je te mets en relation. Comment ça va? C'est Dave. Bon, écoute, je sais qu'à la base, t'es là pour faire du ménage. Mais j'ai été un peu pris de court, alors tu vas devoir gérer le JT de ce soir. The news tonight. Ne t'en fais pas, c'est assez simple et je vais rester en ligne pour t'aider. Pour commencer... Oh, on est parti direct, hein. Petite photo, là. Je vais te faire visiter la régie, donc si c'est déjà pas le cas, tourne-toi en direction des écrans. Donc du coup, en gros... Ah oui, merde, faut peut-être que je m'attends. Ah ouais. On va gérer une prod où on va devoir passer les choses. En haut, c'est donc une audience. C'est mon audience. Si ça monte, ça veut dire qu'il y a des gens. Et si ça baisse, ça veut dire qu'on est en train de faire de la merde. On voit pas. Ouais, mais vous, je vous traduis. Là, c'est ce... Donc ça, c'est ce que l'écran d'ici, c'est ce que les téléspectateurs voient. Et il a quelques secondes de retard sur l'écran du milieu, qui est donc l'écran de base qu'on va voir. La cam. Mais la cam est juste... Mais... Pause. Je traduis, non, tu lis. Oui, c'est vrai. Mais attendez, vous voulez que je bouge la cam? Mais ça va très vite. Hein. J'ai l'impression que ça va très vite, moi. Vous n'allez pas pouvoir lire non plus. Vous voulez que j'enlève la cam? C'est ça? Vous me voulez comme ça? Vous voulez lire? On s'en branle, MDR. Il y a de tout. Hein. En gros, donc, du coup, on va gérer tout simplement une régie avec, j'imagine, des embrouilles. Quoi? Le jeu est un peu humoristique, si je dis pas de bêtises, donc on va voir. Non, Osef, vu que tu lis, on n'a pas besoin des sous-titres. Bon, attendez, on voit. Vas-y, je mets comme ça. Des boutons numérotés. Alors, ça, c'est les différents écrans. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'il y a affiché ici. Mais les mecs, vous croyez que je suis pas un régisseur de malade? Ok, on passe sur caméra 4, un gros plan émotion. On veut l'alarme, fais-la pleurer. Pardon, tourne-toi vers la gauche. C'est prise contrôle dans le studio. J'ai tout laissé branché pour toi. C'est ce qu'il me dit, Clément, dans l'oreillette. Voilà, j'en dis pas plus, mais... En supposant que t'as pas bidouillé, ok, donc. Ok, donc faut activer le courant, mais... J'en vois, moi. Tu me dis j'envoie, mec. Attends, je me tourne à droite. Ok, on est au générique de la fin d'émission, qui précède la nôtre. Par chance, ça dure des plombes. Donc ça me laisse le temps de tout... Ça me laisse tout le temps de t'expliquer. Ok, bon, c'est terminé, donc il nous reste plus longtemps avant l'émission. 55 secondes avant l'émission. Je crois que le chrono en haut, c'est ça. Pour l'instant, on a des audiences où ils nous lâchent, c'est un peu de la merde. Hein. Le film a pas trop plu. Qu'est-ce que... Regarde en bas. Il y a plein de bandes vidéo. Alors ça, c'est les pubs. Des exercices avec four soucis, c'est direct. Neil fera pas dingue. Ah, j'en connais un, Neil. Ma salade hebdomadaire. Parfait. Trois belles pubs. Voilà, les trois pubs qui tournent à vie sur Twitch. Alors, excusez-moi, comment on rentre une cassette? En effet, je comprends quand on me dit que j'allais galérer. Putain. Oh, ça va être terrible. Allez. Normalement, je suis désolé, normalement, j'ai un assistant qui rentre les cassettes pour les pubs. Voilà. Quoi? J'ai mis la mauvaise cam, non? Tous les jours, tu me proposes des crevettes. Tous les jours. Ça commence dans 9 secondes. 10 secondes, tout le monde. Ok, on va prendre l'antenne. Là, il y a le P qui s'affiche, il y a le O et ça commence à... Ok, donc là, ça passe. Donc ça, c'est l'écran qui est avant. Donc s'il dit de la merde, faudra changer. J'imagine qu'il va se passer des choses et tout. Il y aura un compte à rebours et je compte sur toi, détends-toi. Je devrais mettre l'écran 2. Mais c'est dans 2 minutes? Un homme au sommet, tous les amateurs de sport félicitent le très apprécié footballeur Johnny Foursoucis. Faut que j'envoie une pub de l'année. Une pointe de sucre avec Mégane. C'est dans 1 minute 50 que je dois changer? Oh, je suis déjà du père. Oh, ça commence mal. Son nouveau film. Donc là, il se passe plein de nouvelles choses, là. Là, il nous parle. Ah, c'est dans 8 secondes. Donc dans 7 secondes, je dois balancer ça. Ok, gros plan, musique à fond. Remaquillage, maquillage, chaîne 2. Au milieu avant de disparaître. Je dois remettre la 1. Alors là, pendant ce temps, on voit qu'il est en train de se faire maquiller. Je peux vous dire que Clément, il va pas rester longtemps en régie. Hein. Allez. Merde, je dois changer là. Je l'ai mis un peu tôt, je l'ai pas prévenu. Ok, l'audience monte, ça fait plaisir, les gens se connectent. Twitch.tv/Domingo est en train d'exploser. Alors là, c'est... Ah ok, faut éviter les interférences. Ok, donc faut passer au milieu à chaque fois. Oh, il va y avoir plein de trucs, hein.
Putain. Non, on touche pas au Clayman. Ah, mais ça met du temps à descendre. Il te suffit de lancer la pub. Il y a tellement d'infos. Assure-toi de la lancer pas trop tôt. Alors, c'est dans 26. 20... Merde, le truc. Dans 26 secondes, je dois lancer la pub. Oh non, j'ai merdé. Je fais full merde. 10 secondes. C'est quand? C'est... Ah. Je mets la A. Boum, on a balancé la pub. Tout le monde reprise dans une minute. J'ai besoin que tu meubles après la pub, pourquoi? Streamer lâche est en retard. Je pensais lui demander son avis sur les élections. Bon, pendant ce temps, il y a une pub. Oh, il se passe tellement de trucs. Tout ce que je lui dis. Ah, moi j'ai pas ces gens-là en régie, hein. Note de séquence A+. C'est un métier, les gars! Comment ça se corser? Mais par contre, il te donne trop d'infos en bas, là. C'est en anglais, en plus. Tu vas devoir choisir entre plusieurs caméras. Là, il va y avoir plusieurs caméras. C'est trop bien! Oh, je vais faire réal. J'ai toujours aimé faire réal. Ok, on a qui? Reste sur la personne qui parle, bien sûr. Gros plan, personne, zoomé. Aucun plan ne doit plus être... Bien sûr, on aère avec différents plans, des plans de coupe. Ah, un petit plan de réaction, genre un truc un peu choquant, plan sur l'autre qui est en mode. Pas facile à faire. On avait essayé les réactions pendant le rewind de Twitch. À chier, hein, en effet. Putain, ça. Ah, mais. Ça parle beaucoup par contre, ça. Ça parle beaucoup. Hein. Oh, il y a Carnage, c'est un jeu pour toi, ça. T'es la honte de la prod audiovisuelle. Frérot, t'es déjà là pour ça. Bon, 17 secondes. Il y a un mec qui arrive. Donc lui, c'est l'interview, donc lui, il va se faire interviewer. 10 secondes, 10 secondes! En place, en place! Je fais 1 là! J'ai lancé un peu tôt. Je l'ai mis un peu tôt, mais ça passe. Je préfère couper un peu tôt. Prépare-toi à passer sur Megan. Megan Wolf. Pouh! C'est magnifique! Bien sûr. Tais-toi, tais-toi là, le tuto. J'ai lancé un peu tôt. J'ai voulu peut-être... Boum, plan large. un peu late, je suis pas bon. Je passe en plan large. Il y a interaction globale. Ça parle trop chacun pour faire du plan serré. Peut-être plan serré. Boum, plan serré. On veut l'émotion. Merde, il m'a parlé. Ça va ta gueule là? Je panique, je fais nimpe. Ils font des réactions bizarres aussi. Plutôt un intellectuel. Boum, je repasse sur le 3. Je fais de la merde. Je loupe. Vas-y. En fait, le plan large, c'est le mieux. Tu m'étonnes qu'on est dans le vieux plan là avec le hashtag popcorn à l'envers. Putain. Bon, l'audience monte, hein, l'audience monte. Hein. Comme quoi, vous voulez de la merde. Alors. Ta gueule. Je vois pas de réaction. C'est pas ouf, hein. C'est une régie un peu moyenne, hein. Mais c'est, y a trop de... C'est pas mal, trois statuettes, il a gagné des Oscars, un truc comme ça. À défaut des récompenses, elle va lui poser une question, qu'est-ce qui vous fait avancer? Boum, switch. Réflexion, direct, posée. On est bien, je commence à comprendre. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme vous? Boum, plan large. On voit justement les deux qui se parlent, on sent un échange, un passage entre les deux, une relation. Pas ouf, mauvaise réaction. On n'a pas eu ce qu'on voulait voir. Tout ça pour le public. On va bientôt changer. Deux, plan large. Mais lui, il se prend pour qui, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, là, le philosophe?
Boum, on switch. Putain, j'ai les mains moites, ça y est, c'est comme la conduite maintenant, ça me suit à jamais, ça. Quelle est votre opinion sur ces résultats électoraux historiques? Switch cam 3. On le switch très bien, là, celui-là. Pas trop de plan large. Pas trop de plan large. Plan large. Boum, pile au moment du genou. Très complexe. Plan serré. Ça monte, les audiences. 73K ce mardi, qui peut nous test? Qui peut nous test? Megan un peu déçue. Oh, elle se fait chier. Elle se fait chier, c'est fort, ça fera parler demain. Ça fera parler demain dans les journaux. Il a remis ça, pas de panique. Ah non, il dit des gros mots. Quoi? Bah, je suis dans mon truc, moi. Il y aura un compte à rebours, mais il y a trop d'infos. Pause. On y retourne. Oh, il a pas... Ah, il faut couper, là, dans 5 secondes. Full bégaiement de mon côté, là. Ah, et là, il est en train de l'insulter. Il est en train de l'insulter, là. Faut que je censure les gros mots, ok. Il y a un bout... En fait, il te parle beaucoup quand t'essaies de te concentrer sur eux. Mince alors, on dirait qu'il pète les câbles dans le studio, j'aimerais savoir ce qu'il... dit, mais ne bascule pas sur lui pour l'instant, tu pourras aller en salle des archives. Ok, donc on record tout si jamais les mecs sont insupportables. Et là, on reprend encore 1 minute 14 en haut. Je fais le jeu des interférences, il y a l'assistante qui est revenue. Putain, faut regarder beaucoup de choses, c'est pas facile, hein. Tu peux pas cut IRL. Ah si, t'as bien vu. Petit crash et hop. Pas mal, le jeu des interférences, c'est là où je suis le meilleur, je crois. Je crois que je suis le meilleur sur le jeu des interférences, là. Bon, il nous reste 50 secondes, hein, quand même. Parfait. Les interférences, tu peux faire ça à la molette. Ah oui, putain. Oh, quel bonheur. Ah, mais c'est l'acteur. Oh, les audiences, ça cartonne. Slice, merci pour le prime. Mais en fait, faut tellement suivre ce qu'ils disent. Ah, il faut que je censure, là, aussi Bah non, l'extrait, je peux pas le censurer, il l'aurait déjà censuré. Ok, à la fin de l'extrait, je dois passer une pub. L'horloge située en haut pour le compte à rebours. Dans 19 secondes, je dois passer une pub. Ok, on commence à comprendre à peu près. La censure, juste, bah, faut la voir, quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce film de fou, là? 7 secondes, on a fait que monter en audience, hein. La piste audio est rouge quand il faut censurer. J'ai lancé hyper tôt la pub. On a même pas le nom de l'émission. C'est pas grave. C'est pas grave, on verra rien. C'est juste un monstre, en fait. 2 secondes plus tard, tu entendras le gros mot sur l'écran de fusion. Ah ok, faut cliquer dès que le truc s'allume, en fait. Ok, c'est espace où... Et je dois appuyer quand c'est là ou quand c'est là? Ah non, quand c'est là. Donc je le vois là, et quand ça passe ici, je censure. Parfait. Tu vas t'y faire, mais lis bien ce qu'il dit. Mais en fait, ça va vite, quoi. Facile, non, évidemment, si tu regardes... En fait, comme c'est quand une ligne aussi... C'est pour ça que les pros, les vrais pros travaillent... À l'oreille, la plupart des gens règlent le volume de l'écran de diffusion. Ah, c'est sur l'écran de gauche? Ah, comment je peux pré-shot quand c'est rouge? Tu vas pouvoir essayer de censurer, essaye un peu. Je vais t'aider très vite et tu seras bippé comme un pro. Ouais, voilà, j'ai 2 secondes d'avance à gauche, mais je censure à droite. Pense à bien sélectionner l'écran 1 maintenant que tu as le signal. N'attends pas d'être en direct trop tard, tu peux utiliser les boutons numérotés. Monte le volume. C'est où le volume? Welcome back. And I'm told we can now go live to Advance headquarters, where the two leaders, Peter Clement and Julia Salisbury, are about to make their acceptance. Il va insulter. Ah, c'est quand c'est rouge ici, en fait. C'est quand c'est rouge là. Go for it, Beth. Okay. Thank you all for coming. And well, where do I start? Mais il va faire n'importe quoi, le mec.
said we couldn't do it. They certainly did. They used every dirty, low-down, lying, southern bastard trick they had against us. But you, the people, you saw right. J'ai réussi. En fait, faut juste timer le truc rouge. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had a couple of celebratory. Merde. Makes me coarser than je merde. Je choke là. Memorably put. Putain! Mais faut appuyer quand c'est ici ou après? Oh, je panique. Où est-ce que j'appuie? Moi, je sens sur là. Bon, ça va, les audiences mentent. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, parle-nous. Change pas assez. Faut maintenir. Okay. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich, for them the party's over. They shouldn't. C'est pas mal là. Je fais des bons plans de cam là. They should be putting their shitty pants on and opening their dusty checkbooks. Again, colourfully put. Mais j'ai bipé. Before we came out here. Comprends quoi lui? We used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Plan large. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth. Plan serré. Merde, totalement loupé. Because the likes of you and me are not in the community. Tomorrow we will be introducing a switch. C'est bien. On commence à comprendre, c'est à l'oreille. C'est comme une voiture. C'est un moteur. Ça ronronne, boum, on passe la deuxième. Sa vie, il va bientôt parler, le vieux, on le sait. Boum, censuré. Merci, mon gars. Merde, pardon. Panique. Plan large. Qu'on comprenne bien que la meuf est un peu gênée, un peu embarrassée. Pardon, excusez-moi les téléspectateurs. Comment ça, ça baisse l'audience? J'ai merdé, je suis désolé. Là, j'ai failli à ma tâche. J'ai 4 cams. Je suis en panique. But you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shite. So to you posh twats, the people who pay the tax to sit and drink private parties, loupé, you raise. So they've got loupé. Non, loupé, là je suis en choc. Oh là. We are coming for your sport. L'audience part. Je trouve ça super ce que je fais. We will put the wealth of this country. Boum, là c'est bien là. Elle aime bien quand elle parle. C'est bien, ça remonte. It ends today. Yes. It ends today. And tomorrow we'll start making it fair again. Just like we promised we would. Boum. Merde. Je taille mal les fins de phrase. Thank you for your time. Mais j'ai censuré les gros mots. Well, an interesting acceptance speech there from the leaders of advance. Oh, j'essaye. Hein. En vrai, pas ouf à regarder. Bon, je sais pas, moi, c'est marrant. Juste, il y a beaucoup de trucs à l'écran, quoi. Mais c'est marrant, c'est original comme jeu. C'est difficile, hein. Il y a plein de trucs à faire et tout, mais c'est grave original. C'est bien, ça fait du bien, les jeux un peu différents aussi, tu vois. De... Non, mais là, je vais me taper un C, là. Je vais me taper un C. Have a peaceful night. Right, looks like you've got it now. Thanks for the help, mate. I've got to go. Bon, on a la pub là. Job's yours, mate. Good luck. Oh putain. Eh, c'est dur, hein. Ah non, on va continuer un peu, j'aime bien. Merci pour tous les subs, les resubs, les potes. Désolé là, s'il y a trop de trucs à capter là. I'll see you tomorrow night. Not coming for a drink? No, got a date. Lucky you. Try not to get murdered. Diffusion terminée. J'ai eu B. Ah, j'ai eu V, j'ai eu B. À côté du bouton sensor, t'as le son. Ah, diffusion terminée. J'ai eu E. Ouais, c'est vrai qu'on a perdu de l'audience là. Censure ratée. Montage sans intérêt. Ah oui, c'est. Ouais, bon, bah, c'est vrai que sur la troisième séquence, on a eu un petit loupé quoi. Montage absolument calamiteux. J'ai gagné 225. J'ai eu B en tout. C'est vrai que la troisième séquence... Non, il y a eu un vrai loupé. Troisième séquence, on a perdu l'audience, là. On a perdu l'audience, ça, c'est terrible. Maena, merci pour le Prime.
Bon, vas-y, continue, il se passe quoi après? Ça roule pour toi, j'ai laissé un message. Je me disais bien que tu finirais par le retrouver. On va voir où nous amène le jeu. Ce que tu as fait, c'est donner aux yeux des spectateurs. Comme tu peux le voir, il y a trois sections des archives. Les diffusions, c'est-à-dire ce que tu as diffusé, les rushs, à savoir tout ce qui s'est passé sur l'ensemble des écrans, les publicités. Ou plus exactement, toutes les publicités que tu as choisies. Regardons un peu les diffusions. À gauche, tu as accès à toutes les diffusions. Tu peux y accéder à partir du menu principal. Le live est pitoyable, tu es une honte. Ah, j'ai pas lu du coup, putain. J'ai lu un plouc et... Je sais pas ce qu'il faut faire, je clique là du coup. Je dois charger la cassette ? Bon, j'ai chargé. Ça devait être ça. National Nightly News. But before that, let's take a look at what's coming up later on tonight. Mais là, on va se mettre un reportage, là. At 7 o'clock, it's the semi-final of the quotation game, and it's a nail-biting quiz tonight. C'est notre vie, là. As a team of nuclear physicists take on four old ladies from East Grinching. That's followed at 8 p.m. by award-winning documentary series The Shape of Now, which tonight is the history of the knee-length sock and its importance during the Great Blackout. Magnifique, 8 heures en l'occurrence. Bon, bah retour. Ah, on te montre un peu... Ouais, mais du coup, tu peux revoir ce qui s'est passé. Mais ce que je comprends pas... Ah, c'est pour voir, par exemple, ce que l'autre, il a dit. On fait que tu peux désactiver le... Ah, tu peux faire du remontage. Ah, on peut voir ce qu'il a dit. My cards. Please tell me these aren't my cards. No, they're the right ones apparently. Oh, but this gives me nothing, Jenny. They must see that. I know. I think they think he won't have anything to say. Oh, for God's sake, come on. It's a huge day. He's not an absolute bonehead. Oh merde. I don't care, Rob. I'm not doing it. I agree to do one beastly interview. Ah, il est dégueulasse. Clear when we started. Check my contract! Hi, I'm Megan. Oh, piss off! You're on thin bloody ice, Rob. Whole wheat, man! Whole wheat! C'est marrant. Il parle trop, le vieux dur de ses voix, il parle beaucoup. Je suis d'accord, il parle beaucoup. C'est pas facile, de tout suivre. 10 seconds, everybody! Ah, c'est un enculé hors cam, mais d'un coup, il se concentre et c'est le mec le plus gentil. Welcome back to the National Nightly News. Later, we'll be hearing from shock election winners Advance, but first, our very own culture reporter, Megan Wolf. Ah, si tu peux muter, tu peux retrouver les trucs. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today, I have a guest who starred in everything from Shakespeare to the Shopbot films. I'm very excited. Sur quoi on peut cliquer? Tu peux juste fermer les sons, quoi? By none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do hope you believe me when I tell you that being le mute. Ouais, bon, ok, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe, là? Continuez, enfin, on peut jouer? C'est quoi, c'est fini, le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Jour 1. Jour 2. Ah bah voilà! Un formulaire... Ah bah moi j'ai envie de jouer, moi. Limite, je m'en fous des rushs. Un formulaire inattendu. Tu arrives à la maison et trouves du courrier sur le pas de la porte. Comme d'habitude, rien d'intéressant à l'exception d'une lettre qui attire ton attention. L'équipe souhaite mieux vous connaître. La curiosité l'emporte et tu l'ouvres. Il s'agit d'un formulaire provenant d'un nouveau gouvernement... Du curry. visant à collecter des informations sur tous les citoyens. Première page est pré-remplie. Nom, Alex Winston, conjointe... Sam Winston. Enfant, Charles et Suzy Winston. Je te dis comment ils se sont pas trompés. C'est manifestement à toi de remplir le reste. Apparemment, c'est pas facultatif. Question 1. Si vous aviez un nouvel emploi, quelle serait votre attitude? Je me montre aimable et je me présente à mes collègues. La productivité avant tout, je me mets immédiatement au travail. J'évoque mes anciens emplois avec mes amis. Ah bah c'est pas mes amis. Je me présente. Bonjour. Question 2. Oh mais c'est un test de personnalité là, tout d'un coup. Une collègue d'un autre service vous confie avoir rapporté à la... Oh, mais c'est le truc du gouvernement! Ou va falloir qu'on mente parce qu'ils vont vouloir... Ils vont vouloir, je pense, qu'on censure. Alors, d'un autre service vous confie avoir apporté à la maison des informations confidentielles. Maintenant qu'un dossier, certes peu important, a disparu, vous... Ah ouais, là, faut qu'on fasse quoi? Là, faut qu'on fasse genre le mec, c'est le gouvernement, ils veulent... J'en informe le responsable sur le champ. Ah putain, est-ce que je dois être une balance? Conseillez à votre collègue de se dénoncer.
faut que je fasse la poucave. Je vais faire la poucave. J'aurais dû dire à mon grand... Tous les salariés d'un service ont été renvoyés aujourd'hui. Après n'avoir jamais réussi à atteindre leurs objectifs, votre chef a fixé de nouveaux objectifs nettement supérieurs aux précédents. Vous quittez le travail? Partez plutôt aller dans un bar pour discuter de ces changements. Restez au travail. Mais dans quel but tout ça là? On peut nous faire 15 questions non plus. C'est le barbecue annuel de l'entreprise auquel votre famille et vous avez été invités. Vous avez hâte de passer cette belle journée en compagnie de vos amis et de votre famille. Vous avez piscine ce jour-là. Il n'y a rien de prévu. Sinon tant pis pour le barbecue. Vous avez travaillé dur avec votre collègue à la certitude cette année. Cette année la première place du concours est pour vous. Au terme d'une longue carrière couronnée de succès, il est temps de partir à la retraite dans votre discours. Vous ignorez votre succès ainsi que les bons souvenirs liés à l'entreprise. Concentrez sur les défis à relever. Et ils vont pas nous faire 20 questions. Vous détendre à écouter de la musique. Assister à des meetings politiques et défendre vos convictions. Ah non, ça c'est clairement pas ce qu'il faut mettre si jamais on veut être un mec corrompu. Encouragez et soutenez vos enfants dans leur passion. Oh bah je fais ça. Votre destination de vacances idéale. Au plus près de la nature, dans un endroit où vous pouvez échapper au train-train. Quotidien, un endroit des paysans dans lequel vous pouvez explorer, faire de nouvelles expériences. Mais j'ai l'impression de remplir un sondage Ipsos là. Une sortie bien planifiée dans un parc d'attractions pour faire le plein de sensations fortes en famille. Une île tropicale... Bon, vas-y, hein. Tropicale paradisiaque. Le gouvernement doit avant tout garantir aux citoyens leur... sécurité, mon pote. Merci de votre coopération. Advancez que votre temps est précieux et vous avez reconnaissant de contribuer à mener la nation à un avenir plus radieux. Oh, c'est un closer ou un jeu pour devenir réel de ouf? Si, c'est une affaire de famille. Mais c'est un jeu à choix d'un coup? Je comprends pas. Il est tard. Sam et les enfants sont déjà au lit. Tu essuies une tasse à laquelle tu tiens. Un vieux souvenir apporté de votre premier voyage ensemble. Le dessin s'est estompé. Mais ce visage rigolo te donne toujours le sourire. Soudain, quelqu'un frappe à ta fenêtre, te ramenant assez à la réalité. Tu vois Chris, la delphe de Sam avec sa ta... La delphe avec sa tapageuse valise verte fluo. Une fois à l'intérieur, Chris s'assoit à table de la cuisine. Évidemment, quelque chose ne va pas. Mais c'est quand que je coupe des gens et que je censure, là? Pardon de débarquer à 7h, Alex, bégaye Chris. J'ai besoin d'un service, il n'y a que toi à qui je peux demander ça. Que se passe-t-il? Ah, il va me demander de passer à la télé. T'as certainement vu cette folie, toute cette folie autour d'Advance. La loi sur les actifs et les richesses qu'ils appellent. Ils prennent aux gens l'argent qu'ils ont durement gagné pour en faire profiter les fainéants. C'est du grand n'importe quoi. Je dis pas que les 1% les plus riches sont pas n'ont pas ce fichu argent, ajoute Chris. Ils peuvent se permettre. Mais là, j'avais pas prévu ça, moi. Que je coupe des gens, non mais... C'est un jeu plus narratif. Ah, ok. Ok, mais c'est différent, en fait. Ils peuvent pas se le permettre, mais les gens comme moi vont tout perdre. C'est horrible, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Dans la famille, c'est toujours toi qui as le plus d'argent. Excuse-moi, mais prendre aux riches pour donner aux pauvres, ce n'est pas une si mauvaise idée. Bon, je lui dis qu'il a le plus de thunes. Alex, ils vont tout me prendre. Tout ce que j'ai passé ma vie à bâtir, je ne peux pas l'accepter. J'ai besoin que tu me rendes un service. Chris baisse les yeux. Je dois emprunter ton passeport. Pourquoi faire? Ils ont pris le mien à celui de la moitié des habitants de ce fichu pays. Mais il paraît qu'on se ressemble alors. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, mon argent et moi serons à l'abri. Mais je dois m'enfuir. Bah, tu vas pas partir avec tes sous, avec mon passeport, enculé. Il y a un autre moyen. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai toujours bien agi envers Sam et toi. J'ai traité vos enfants comme si c'était le mien. Nous sommes une famille. Ça signifie donc rien pour toi? C'est quoi un Adelph? Un truc comme ça, là? Je me répète, ça me fait penser à du Paper Please. Ouais, je crois qu'il y a une ambiance un peu comme ça. Je vais plus chercher le passeport. Mais c'est illégal, je peux rien faire pour toi. Eh ouais, mec. Adelph, ses frères. Je me débrouillerai sans toi. Ses frères ou sœurs, ok. Ah, c'est mon beau-frère. Ah, ses frères ou sœurs de Sam. C'est quoi, aucune idée. Chris me fait mine de cracher, agrippe sa valise. Je veux presque flou et disparaît dans la nuit. Ah, ma meuf, elle va m'en vouloir, là. Je retourne à ta vaisselle en prenant la tasse de Sam. Il semble que le visage écaillé plonge son regard dans tes yeux. La patience de PA. Non, c'est juste que je m'attendais pas à ça, moi. Jeremy Donaldson est le présentateur de JT le plus apprécié du pays auquel les gens font le plus confiance, pour l'instant. Les répercussions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, ça, j'aime bien cet écran. Ah, c'est là le son, en fait. Depuis le début. Là, le live était à fond et le broadcast... Oh merde, pardon. Un appel. J'ai plus le... Tout va bien, bon sens, sacrément bruyant ici. Boum. Donne-moi juste le temps de... Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Mise en tension. Y'a quoi comme pub aujourd'hui?
Passer si possible. Ah ouais, mais ça, c'est les trucs... Une élégante nouvelle crème pour la peau avec une petite touche porcine. Ah bah moi, je veux foutre jus de cochon. En jus de cochon, c'est première pub que je passe. Monsieur Kalinou, on l'essaye, c'est certain que ce jouet ne représente aucun danger. C'est quoi, monsieur Kalinou? Ah, monsieur Kalinou, je le fous aussi. Alan James, tu produiras bientôt une salle de capacité moyenne près de chez vous. Neil fera pas dingue. Ah, moi, je fous le truc de vendu, moi. PN, merci pour le prime, merci à Megaram aussi. C'est une image A sur l'écran inférieur. J'ai pas compris. Je le dis, j'ai pas compris. Ça va être terrible. Je peux lancer une pub? 40 secondes. J'ai rien compris. Tu vas devoir choisir la photo à passer à l'écran. Soit la A, soit la B. Et elles sont où? Trash ou safe? Ok. C'est juste 3 et 4. Ok, donc là j'ai juste une cam avec des images. En fait, juste il y a beaucoup d'infos, il te parle en anglais, donc t'es obligé de lire, comme je comprends pas tout. Je l'ai bien mis là. J'ai A ou B. At the end of Advance's first full week in office, we ask exactly who's leading this charge. Tonight, I'll be discussing what the new future might hold with a leading economist and radical free thinker. With the country's... Oh non, j'ai mis une photo, ils font peur. Unfavorable rumblings already heard overseas. I'll be asking my guess whether Advance can deliver on even a fraction. Mais ça dure une heure la photo. Out with the old. Remington's fist have appointed Sophia Remington as au poste de PDG. Ah, tu choisis? Ah, tu choisis à chaque fois? Bah, je mets que les photos bien. J'ai rien compris au jeu, faut choisir à chaque fois, j'ai l'air perdu. Bah, plus jeune PDG de l'histoire, on veut qu'elle soit bien, on veut pas qu'elle soit en mode... On veut pas qu'elle soit en mode nimp, quoi. Faut écouter ce qu'il dit, mais... Voilà, ça a grimpé en flèche, etc. C'est la folie. Cet après-midi, Sophia a profité pour annoncer la sortie d'un jouet répondant au nom de Monsieur Kalinou. Sophia affirme qu'il fera fureur à Noël, mais des inquiétudes sont d'ores et déjà exprimées quant à son innocuité. Une expédition qui fait grand bruit. En fait, faut lire de ouf. Oh, je mets que des photos gentilles. Hein. Moi, je suis un chien, moi. Je mets que des photos gentilles. On met la photo méchante. Ah, c'est des rivaux! Bien sûr, c'est des rivaux! Ok. Les génies n'ont nul besoin de s'apprécier. Et ils s'aiment pas, du coup, bien sûr. C'est bon, je commence à comprendre. Rumors abound as sporting legend Johnny Hamsleeves is snapped leaving Bush, one of the capital's hottest clubs. The footballer was caught while out celebrating being named Sports Personality of the Year last week, as reported by this very program. And c'est bien. The angle and velocity of that spray, c'est bien. Là, on a compris, c'est bon. Faut juste bien écouter ce qu'il veut dire. Non, là, faut mettre que c'est un truc dégueulasse. Grievous bodily charm. With Advance promising a radical new position on crime, how afraid should we actually be? I'll be going live around the country to talk with people who've seen the criminal justice system from every perspective. Je me mets à nouveau. Bien sûr, ça fait peur. Ah mais là, on va faire monter les extrêmes avec des photos comme ça. All that, a mega move for the group of young actors already experiencing the positive side of the new assets and wealth. Dans 10 secondes, je balance la pub. They'll be talking and performing later. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Hein. Magnifique. Mon timing est bon là. Non, j'avais pas compris tout de suite le truc là.
En fait, parce que les sous-titres sont en anglais, donc c'est vrai que c'est... comme tout le jeu est en anglais, j'avoue que je suis pas bilingue et c'est très difficile de se concentrer, de temps en temps de regarder vos messages, et en même temps de passer sur... Ça va reprendre. Magnifique. Magnifique. Piercello, merci pour le Prime. Il s'adapte à la photo et pas l'inverse, je pense. Ah, le texte s'adapte à la photo que je mets. Ok, d'accord. Tu vois, là, c'est en français. Juste avant, on est d'accord que c'était en anglais, là, pendant un temps. Le jeu à moitié traduit, ouais. But what does the Wealth Act mean for us? Nothing, Jeremy. We're still zero. Oh, je vais me faire fumer. Confident dismissal there. Katie Brightman, do you agree? I'm afraid I don't. Oh là là. Oh, on a envie de vomir là. Oh là là, qu'est-ce unending growth is untenable, so they're changing things up. There I agree with you. They're moving to the next steps in the grand plan. Grand plan, Alan. C'est pas mal là. Alan James is right. Je suis bien là. We're to become the great herd, ignorant, sterile, and short-lived. That's what they want. Or perhaps advance. Je suis bien là. Vas-y, je me mets bien. Je me mets en focus. Je focus, je fais un perfect là. This planet in a mad orgy of consumption, if you'll excuse the colorful metaphor. Yes, orgy is the right word. Only it'll be the overlords having an orgy on our poor broken. Petit plan large comme ça pour repasser. Alan James is shamelessly self-promoting. Katie, how do you think the rest of the world will respond to this new approach? I think they're watching carefully. Advance the most destructive threat that the world powers have faced since the last great war. Yes, Katie's right. War is inevitable. Non, c'est nul les plans où je repasse en plan large. Sauf là, en embrouille. En embrouille, j'aurais pu. Mais en fait, les plans larges, je les mets deux secondes. C'est bien là, il y a une interaction, le plan large est bon. Il va bientôt lâcher la parole, ça va reprendre sur la meuf. Magnifique, c'est suivi. Le présentateur va devoir reprendre, regérer le débat à un moment. Ok, je suis dedans. Oh non, mais c'était le moment! Il est mou là, Donaldson! What this young lady doesn't understand, Jeremy, is that these are the same people. Maybe they've rebranded. J'aurais dû faire espace. But it's all a act to keep us from seeing the tyrant behind. Un bientôt là. Putain, mais il fait quoi le gars? Il capte rien au débat. Hein. Là, il est en train de gagner le débat, lui. Hein. Ah, il craque là. Katie, what are your predictions? The Assets and Wealth Act is only the first. C'est pas mal là ce que je fais. Advance now have a historic budgetary surplus and as well as properly funding. La régie a une main quoi. They're already funneling unprecedented amounts into scientific research and the arts. Or as I call them in my book, Frankenscience and opiate arts. Il y a pas de plan large. Like opiates, see? Can we get back to the issue at hand, please, Alan? This is the issue. Oh mais putain, j'ai loupé, mais ils ont des discussions bizarres. Chemicals, they're pumping it full of belief juice. Don't get me wrong, I want to see these changes, but only if they're. Oh, j'ai loupé un timing. Monte le son du broadcast. Non, parce que ça nous fait juste un retour qui est désagréable du coup. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que t'as une couleur verte sur les écrans que tu peux mettre. Quickly, Alan. What does the future look like to you? Là, je suis bien là. Ça existe depuis longtemps, ça. J'achète MTV 8 secondes de concentration max sur un même plan. Merde! Two very different visions of the future there. Alan James, Katie Brightman, thank you for joining me. When we come back, I'll be investigating law and order. Je te lance une pub. Megan meets some beneficiaries of the Assets and Wealth Act. That's all coming up tonight on the National Nightly News. Boom! Magnifique. Je suis en timing là. Là je suis bien. C'est un indice vert et orange. C'est quoi? Ah c'est ce qui est... Ah c'est là, il y a un indice vert et orange sur ce qui est le mieux. Ah j'avais pas vu ça. Merci Unishadow, Shock Mephisto, Pen. On avait dit Walligator, Below the Boss. Merci beaucoup Elixir aussi. En vrai je trouve le concept du jeu génial. Ouais juste en fait comme c'est en anglais parfois t'as beaucoup d'infos à la fois. Eh, j'ai eu A sur cette séquence, on va chercher mieux. Censure la pub. Non, non. Mais c'est nul, du coup. Bah, en fait, si c'est vrai que s'il y a des petites couleurs qui nous disent quoi mettre, c'est un peu naze. C'est pas trop répétitif. Bah, on va voir. Pour l'instant, je me fais pas chier encore. Five, four,
Welcome back. In our second segment, we're going to be taking a deep dive into the state of law and order in our country. Tu vois là, il prépare, c'est jaune. Est-ce qu'il te le passe en vert au moment où tu dois mettre? Merde. To the top of the list. Tonight, we go behind the headlines to meet the people who live with the criminal justice system every day of their lives. First up, Grégory Juge, s'il le met en vert, c'est nul. Who sees the problems close up on the front line. Can you hear me, Gregory? Yes, ah oui, il le met en vert. What's it like on the front line of the hard face of the cold hand of justice? Well, as you can imagine, Jeremy, we are massively understaffed in this country. C'est moins marrant ça du coup, de savoir quand ils doivent te mettre les couleurs. Bon, je vais continuer à pas regarder, je fais au feeling moi. Bon, du coup je loupe mais. Elle va dire qu'il le trompe. Ah, je vais archi pas censurer ça. Tu m'as trompé, j'ai retrouvé une capote. We need change at a structural level, Jeremy. I'm leaving, Greg. Not a good time. C'est marrant. Elle le quitte. Je reste. The problem isn't a local. C'est marrant. Jeremy, it's nationwide. Just give me 5 minutes. Ah, moi je le laisse full. Oh, have you mentioned your affairs? No. Oh là là, ça, bien sûr que l'audience elle monte. L'audience elle veut ça quand tu vois la gueule de l'autre. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We need legislation to release. C'est marrant, n'empêche. Sorry to interrupt the news, Mr. Donaldson. Can I have a moment to tell my husband I'm leaving him? Yes, I totally understand. Quite the picture of a burdened legal sector there. Gregory Judge, thank you for joining us. Next, I'm joined by police. Okay, on a le chef de la police maintenant. A man with a very different perspective on our nation's crime. Do you think there's a problem with the system, Bob? I'm sure we all do. Ah, je suis bien là, je suis en régie de l'audience, carnage, il serait en folie. Mais la 2, non, va, ça. Mais la 2 pour l'audience. So you feel the streets simply aren't safe anymore. Where have we gone? C'est chiant le truc à droite, l'interférence. Merde, j'ai loupé. À droite, c'est un peu chiant. We've diluted our culture and lost touch with what it means to be a citizen of this once great country. Also, as the on testera de faire des trucs. Sermon, we probably shouldn't have banned hanging. And to what do you attribute this moral decay? Foreigners, gays and gypsies mainly. It's all in the Bible. Look, ah, je suis devenu un bot. Quoi? Hang on a moment. Jeremy, your bloody gimps escaped. Delia, could you give me a little help please, dear? Ah, je le laisse. Ah, je le laisse en galère. Jesus, je le laisse en galère. And just to be clear, you think it's the immigrants who are responsible for the moral decay? Absolutely, Jeremy. Back in your box, Clive. Back in your box. Delia, I really could use a little help with this. Oh, sorry, darling. I was spaying the badgers. Yes, Jeremy Thompson. Clive, could you put him back in his box? Oh, Clive, you know it's Wednesday. You put back in your gift space. And whose responsibility is it to make a change? Ah, je le laisse là-dessus. Ah, rien à foutre, je le laisse dessus. Hein. Les gens veulent voir ça. Hein. 10 secondes ou pas. Ils sont chez père ceux qui ont fait le jeu, c'est marrant. Ah, moi je le laisse bien. Je le laisse jusqu'au bout. Hein. Naughty boy. Moral decay. Crime is the responsibility of the criminal. No one else. Look, everyone has a sob story, but we don't all end up as barbarians, do we? Look, when our daughter Alice comes home with an A-, does she go on a killing spree? No, she takes 3 of her pills and hides under the stairs like a normal child. C'est forceur, là. Bob Peel there, really locking down the police's position on morality for us. Je remets un peu son cul, je remets un peu son cul, tout le monde veut voir son cul! Pardon. Ok, donc apparemment, faut pas trop troll avec le jeu. Ok, le jeu n'apprécie moyen. Ah, il y avait des interférences? Ah merde, j'avais pas vu. Many happy returns, Tony. Cheers, Jez. Call me Titwank, Tony. Everybody else does. No, I'm not going to be doing that. Can you tell us what it's like in prison, Tony? Titwank, Tony. Prison's a mixed bag. Structure's quite nice, but it's a constant battle against institutions. Double craquage. As you can imagine. Putain, j'ai perdu tellement l'audience. Titwanks are quite hard to come by. Trop long. Titwank, Tony. Yeah, sorry, my friends are throwing me a surprise party. Good bunch of lads. Okay, well, we're trying to let you get back to that party as soon as possible. First, let me ask you this. Il va bientôt être censuré, là.
help to rehabilitate you in any way, Tony. Tit wank Tony. I don't think it's as easy as that, Jez. Mais... J'ai bien géré. I think asking that J'ai is bien like géré. A simplification. It sounds like it's getting quite busy there, Tony, but let's try and soldier on. Since leaving custody, have you been able to find a new job? Yeah, all the boys are here. Big Chris, oi, oi. Little Chris, oi, oi. And Vampire Chris. This one's, yeah? Yep. One sec, love. Elle est propre, leur chaîne. Rehabilitation's difficult with the current system. C'est qui a dev le jeu? C'est Nymph? Merde, oh merde, j'ai censuré sans faire exprès. Oh, je vais prendre un. So, do you feel tempted to... I'm sorry, who's this now? You are joking. Chrissy Free Bollocks has only got Mr. Fancy, oh. Tit-wank. I'm on the news. It seems like we've caught you at a bad time. Oh, j'ai essayé. I can't really hear you, mate. It's getting a bit busy here. Yes, we seem to be losing the signal here, Tony. Fucking way, Las Bolitas! Well, we're just trying to get that. Putain, mais j'ai une audience de merde! I think we. Tony? Tony, I mean, we're literally away for 2 seconds! Du coup, il y a beaucoup d'audience qui matent ça. Can you hear me? Well, we have lost our train of thought there a little. Hopefully, you, the viewer at home, sale soirée. La censure. Mais faut censurer quoi? Parce que ça fait bip, là. Il faisait pas d'insultes. C'était pas rouge, non? Megan will be live with some plucky young thespians. Don't go away. We'll be back after these messages. 1 minute back, everybody. J'ai lancé hyper tôt la pub. Je l'ai coupé. Ah, c'était le stream quand il y a la musique qui se lance à 20h15 et que Max est en train de parler. Oh, j'ai eu E encore. Oh, je suis le pire réel. Ah, je suis le pire réel, là. Ah non, je suis terrible, là. Heureusement, après, on a lancé la pub au pic. L'audience devrait baisser. On a quoi, 18 secondes 18 secondes et ça repart sur un autre programme. T'as pris des risques sur le gros cul de l'autre, mais 100% c'était le bon call. Je suis assez d'accord. Vestos, merci pour le prime. Je démarre sur quoi le... One. Boom! Welcome Black. I'm Megan Wolf. And on tonight's Fort. Culture Spot, I'll be chatting with one of the first beneficiaries of the Assets and Wealth Act, a team of inspiring young people from Scritchford Sixth Form College, who today received a grant from Advance to take their play, Hey! Friendship on a tour of local secondary schools. Welcome to you all. Well, let's start with you two, Harriet and Charlotte Winstanley-Hamilton. Girls, you must be thrilled. We are, Megan. We're overwhelmed, to be honest. Moi, je suis de la team... Sisters, is that right? Yes, Charlotte's my oldest. I'm the older, more popular one. Merde! Harriet and Trey were really the ones who came up with the whole idea. So, Harry and I were shooting the breeze in the... Je suis de la team, tu veux voir les gens parler avant que... Regarder avant qu'ils parlent. So I went to look for a drama teacher. But she'd been laid off due to... Mais là on gagne, faut pas changer toutes les 10 secondes. Parce que là le plan est bien en vrai. Ah bah du coup je dois changer pour faire ça. C'est un peu dégueu. Parce que je regarde pas les trucs, hein, on fait au feeling. Hein. Regarde les couleurs des écrans. Ouais mais du coup c'est de la merde quoi. Pas mal là, ce que je fais. Il y a Genius à droite. We touch our audiences, and they touch us right back. I suppose with a surname like Algebra, there was really only one choice of career for me. Boom. My wife, Angela, and I, we often laugh about it. Angela Algebra. Yes. We just want to bring a bit of... Ah, oh, vas-y, ils font de la merde aussi, là. Ils sont chelous, eux. And teach people about the difficult issues. The issues in the play are what really matter. And I think you're going to be... Merde! Us an extract from this play. Ils sont incompréhensibles. That's right. To put into context, I play a young first year who's having some troubles at school. Her character doesn't actually have a name, yeah? Because in a way... C'est 4 ou 2, like, tu penses? All of us. It's like a metaphor. Boum, je re-switch plan serré. Le cadreur volant a eu le temps de faire le cadrage. Plan large. 3, 2, 1. Plan serré.
of your teacher while you run off and get ready. I can't wait to see it. That's it, that way. So, Jeff, when did you first hear about the grant? 2 days ago. Pas si mal. A letter from Advance arrived at the school. Now, merde. The headmaster thought it was all a prank. J'étais perturbé par un mec qui me demandait d'aller voir la vidéo de Gotaga. And brought it to me. Wow, how did you react? I also threw it in the bin. But then, Harriet and... Je fais full merde. They rang the number at the bottom of the page, and next thing you know, we're on tour. Wow. Well, I think we can all guess which way you'll be voting from now on. Do you know what? It's funny, because Angela doesn't usually vote. We were not very political. Very political. Of course, and she's a paraplegic, mainly, but... Aïe, aïe, aïe. We used to watch that Peter Clements DIY show back in the day, and so we thought... why not? Let's have a go with this. Ah, mais tu vois, je peux pas changer, là. Okay. Ils me font perdre de l'audience, mais je... Ah, fucking brilliant. J'aurais dû faire espace. Dear diary. I'm not sure I can take another day at this school. Another day of tears. Another day of fears. Fears. But still I walk the corridors alone. Changement de pied. What might be around every corner? What's around the corner? What's around the corner? What's around the corner? Oh, hi Gary. Oh heavens no, it's Gary the Fist. Gary the Fist. Going somewhere, little first year? Great. I've been looking for the poor victim to bully all morning. But will this make me feel better about my violent father? Violent father. Boom. Excuse me. Oh, c'est trop de plans, trop de switch de cam, ça rend fou. Ça pète les. So ça pète les yeux, ça. Maths is for losers. What? Maths is for losers. My arm's stuck, coach. Just keep going for ah ouais, mais il connaît pas son texte. Je suis obligé de le censurer. Now, give me your lunch money. Double lunch for me today, but. Why am I only truly oh ouais, là. Not today, Gary the Fist. What do you mean not today? Who are you? Oh, my arm's free, coach. Brilliant, keep going. C'est un bouffon, lui. Who are you to stand up to me? I'm Gary the Fist. C'est un full bouffon. Sad little girl with two gay dads who's all alone. That's where you're wrong, Gary the Fist. These are my two new friends. Ils aiment bien le fist, hein. Vanessa is captain. Ça, c'est un de leurs trucs, hein. Yeah. And Blake owns a motorbike. Yeah. But. Merde. I can't fight all three of you. And I don't have any friends of my own. Oh, je. Il regarde l'opposé du plan. Pas mal, pas mal. Sur la fin, je me reprends bien. Caméra 3, plan serré. On se prépare. Début de chanson. Maintenant! On prépare la caméra 1 de côté. Caméra 1 de côté, retournez. Caméra 2, préparez-vous. Caméra 2. Caméra 4, serrée. On attend le retournement. Le retournement, bientôt, caméra 2. Caméra 1. Serré. Putain, je choque. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est donc ça d'être en régie d'un truc de merde? Ah, je comprends mieux. Ah ouais, j'étais pas sûr. Ah ouais, bah là on voulait le dab, mais... J'étais sûr qu'il allait cliquer, lui. J'ai voulu le dab. Pour le fist, t'as vu le fist, comment je l'ai bien cadré? Je repars sur le 4. Faites du bruit, je vous entends pas. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas faire de musique en live. Where's my dinner? Where's my
Merde. Ah, c'est beau. C'est beau, des beaux messages. Oh, ça repart en kick là. Oh, c'est vrai que c'est gangsta. C'est du beau contenu ce soir. On n'est pas déçu hein, ce jeu. Oh, ça fait plaisir les projets associatifs en tout cas. Chaque commune a du talent. Non, non, mais n'hésitez pas. Hein. Tu vois, soyez vous-même. Ah. Oh pardon. Il y a eu un petit, il y a eu une petite cravate. Oh là là. C'était pas facile. Hein. Je devrais faire des changements de caméra sur le rythme de la musique. Excuse-moi, c'est pas dans mon CV ça. J'avais oublié de lancer la pub. Oh mais c'était à chier là. Bon, on va voir la fin de du truc là. Ça va? Qu'est-ce que j'ai loupé? Oh là Roro, si tu savais. Si tu savais. Diffusion terminée. Oh, j'ai eu C. Ah, j'ai fait A, E, D. Non, sur la fin, je me suis bien rattrapé. Hein. Montage calamiteux. Trop d'interférences, censure remarquable. Je suis un mec qui censure bien. Hein. En retard sur une publicité, sur la publicité à une reprise. Bon. Je crois que ça m'a suffi. Le truc est sympa, mais c'est pas le jeu de l'année, quoi. Tu dois censurer sur le broadcast et non le live. Ouais, ouais, mais ils te mettent le truc à quel moment appeler, quoi. Il y a pire à venir. Ouais, mais faut être ultra concentré. Bah, en fait, c'est un peu redondant et c'est marrant parce que c'est... En fait, c'était marrant parce que c'est chez Père. Tu sais, je pense que c'est l'humour un peu british. Gagne en crédibilité au travail avec ce Jeremy Donaldson. En vrai, c'est sympa. Hein. Je pense que j'y rejouerai une fois. J'avoue que là, juste ce soir, je suis fatigué. Il y a des décos, il y a pas mal de trucs. Ça a l'air d'être un peu un paper please où tu peux améliorer et tout. Le jeu est clairement pas dégueu. Juste, je pense qu'il faut être très focus et aujourd'hui, je suis pas mal fatigué. Donc, c'est difficile de stream et en même temps. Mais c'est rigolo. En vrai, le jeu est rigolo, je trouve. Le jeu coûte 11€, hein, pour préciser quand même. Et honnêtement. En fait, il te parle beaucoup, lui. Il te parle tout le temps. Et du coup, tu peux pas parler, en fait, en stream. Tu vois, là j'ai rien suivi à ce qu'il m'a dit les 4 dernières phrases. Cher un peu. Frère, 10€, c'est pas cher pour un jeu où les mecs, ils ont pris des acteurs et tout. Ah non, faut pas. Que une meuf me dit t'es rigolo. Non, mais là, on sent qu'ils ont fait un truc un peu original et tout, quoi. Allez. Mais en vrai, c'était sympa. Non, je pense que c'était sympa. C'est pas un jeu opti pour stream, mais c'était un bon test.